Aujourd'hui, c'est une journée extrêmement sympathique puisqu'on organise deux concours ici à Disneyland Paris, un concours de macarons pour les professionnels et un concours de macarons pour les amateurs. Et la cérémonie qui a lieu aujourd'hui, c'est la remise des prix. Le jury s'est réuni hier et a sélectionné les gagnants. Nous l'avons fait parce que nous sommes très proches des populations du coin, de leurs organisations professionnelles et parce que nous sommes aussi le plus grand restaurant de France puisque nous avons 74 lieux de restauration, que nous servons 30 millions de repas chaque année et que la cuisine chez Disney, depuis le chef jusqu'au serveur, c'est 3500 personnes qui se mobilisent pour donner un produit de qualité. Je crois que les produits de la Seine-et-Marne sont d'excellente qualité. D'ailleurs, le président Lair et M. Pastorelli, des meilleurs ouvriers de France, ont dit eux-mêmes combien ils avaient été surpris de la qualité des produits. Et donc, il est en train de naître en Seine-et-Marne toute une nouvelle génération de jeunes pâtissiers que nous devons absolument encourager. Bah là, je suis en première année de CAP, en apprentissage dans une pâtisserie à Taverny, dans le Val d'Oise, et mon patron fait pas mal de concours, tout ça, donc il m'a demandé si ça m'intéressait de participer au concours de macarons, et j'ai dit oui. Donc j'ai rencontré Monsieur Leleu, qui est un grand amateur de macarons, et qui m'a dit que c'était un projet qui l'intéressait, et qui est dans la mode, parce que c'est vrai que le macaron est un produit de couleur, à la mode, et qui est très convivial sur les tables parce qu'on le pose et ça apporte beaucoup de goût, de couleur et de diversité. Donc c'est parti sur cette idée-là et on est parti après avec des professionnels à dire pourquoi pas le faire à un concours régional. Donc on a touché Paris, la région parisienne et le résultat est là et voilà. Les participants professionnels, c'est d'un niveau très élevé. Enfin, j'étais très surpris du résultat. Et ce qui m'a touché le plus, c'est au niveau des amateurs, parce que quand même le macaron, c'est un produit qui n'est pas évident à réaliser. Et voir des amateurs essayer de faire le macaron et sortir des produits qui sont tout à fait commerçables, c'est vraiment très beau. Moi, ça me plaît énormément. Voilà. Alors l'implication de Disney, c'est vrai que c'est une très belle entreprise. Donc c'est vrai qu'on a un lien quand même intime qui se fait. J'ai pas la prétention, mais je pense que c'est un produit qui mérite avoir un support comme Disney. Ouais.